femmes du Seigneur. Soyez bénis. Nous avons été puissamment édifiés par les témoignages. Amen. Montre que Jésus-Christ est encore puissant et capable de délivrer. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour la parole. Veille nous enseigner ta parole. Éclaire-nous, Jésus-Christ. Merci de te manifester et d'agir pleinement. Bénis-nous, Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. C'est un culte. Nous sommes tous des chrétiens. Et nous sommes des adorateurs. Jésus rencontre la femme samaritaine. Elle voulait que Jésus l'éclaire en ce qui concerne l'adoration. Jésus dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes les vrais adorateurs. C'est pour ça que nous adorons Dieu. Nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous avons rendu témoignage. Et en même temps, nous allons écouter la parole de Dieu. Et ceux qui ont les Bibles, levez les Bibles, montrez-vous les Bibles. Montrez-moi les Bibles. Show me the Bibles, please. Montrez-moi les Bibles. Show me the Bibles. Il y en a dans le portable, il y en a dans la main. Oui, il y a dans le portable, il y a trappe aussi. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Et c'est important pour un chrétien d'avoir une Bible, parce que c'est la Bible qui est notre boussole, c'est la Bible qui est notre guide. Il est vraiment important que le chrétien lise la parole de Dieu. Vous levez matin après la prière, méditez la parole de Dieu. Moi, je le fais, je lis la parole de Dieu. Je m'intéresse aussi à d'autres ouvrages, les gens qui ont reçu le ministère, les gens, c'est vraiment important de se cultiver, de lire la parole de Dieu, de connaître aussi. Parce qu'on ne connaît pas et c'est dangereux. Nous prenons Psaume 37 à partir du verset 5. Monsieur de Iroporia, je te vois derrière, viens. Le marabout, il a fui. Les portes disparues. Ta nièce, elle a été épinglée. Ta nièce. Oui. Elle s'appelle Sabina. C'est qu'elle a tué ton frère. Sabina. Oui. C'est cher de mon gosse qui est. On ne le savait pas, mais c'est après votre passage. Après mon passage, est-ce que vous voulez que l'explique? Oui, elle est. Où est-ce? Nous sommes allés dans leur village parce que. Son frère est mort d'une mort terrible, mystique. Son frère est venu ici, on leur a dit, attention, sa femme est morte, on dit, toi, tu es programmé. Il a joué ça. Un acte est tombé sur lui. Il est mort. C'est pour cela qu'ils sont partis au village. Le chef du village dit, il ne faut pas attraper sorcier. Si on voit qu'on arrive, on va laisser. Prophète, laisse les canaries. Laisse les sorciers. Ne les attrape pas. L'homme, lui, il en a plein enterré. On a fait ce qu'on pouvait faire. On attendait un résultat. Et c'est sorti au grand jour, c'est venu, le dossier est venu vers nous. Dieu n'est pas limité. Dieu est souverain. Donc on a fini, n'est-ce pas? Sa langue s'est déliée. C'est ça, monsieur? C'est ça, non? C'est là que tu as parlé que c'est toi qui as tué ton oncle. Dans le micro. On veut savoir comment c'est passé. C'est lui là ou bien. Après mon passage, qu'est-ce qui s'est passé? Après ton passage, un jour j'étais là. Il y a un enfant qui est venu près de moi. Et j'ai ressenti quelque chose en moi. Et il y a un esprit qui m'a dit que va témoigner, va témoigner. C'est pour cela que je suis quitté auprès de ma maman. On était à Zozo, dans un village qu'on appelait Zozo. Je suis quitté là-bas. Je suis allé chez ma tante Chantal à Didoko. Et j'ai commencé à l'expliquer. Mais j'avais peur de lui dire que c'est moi qui a donné mon nom. Et j'ai dit que c'est ma grande soeur Jeannette aussi qui a donné mon nom. Et
Ma tante dit, ah, c'est ça, on venait chez papa Crasso, mais on a appelé maman d'abord. Non, c'est pas de moyen, hein. Père aveu. Confesser. Le moyen, ça vient après. Confesser. Maintenant. Donc on a mis l'huile là. Tu as senti que quelqu'un venait te coincer pour dire vous parlez. On va clamer le Seigneur pour lui. Lui. On allait dans son village qu'on appelle Irupuria. C'est des apaches sûrement. Ils sont dangereux à sorcellerie. Et ils braisent. Ils font sauce. Ils mangent frais. On attaquait, on allait à la base. Très tôt, le chef a dit, non, toi, prophète, ici, tu n'attrapes pas sorcellerie. Non, tu n'étais pas les Canaries. Parce qu'ils savent, dans la région ici, là, ils savent. Il a appris le témoignage du prophète. Je lui ai dit, moi, rien ne peut me réguler. Sorcellerie n'existe pas, il dit oui. Tu fais quoi avec ça? Il ne parle pas. Je lui ai dit, moi, je le remets de ça. Quelqu'un qui a un remède, et toi, tu dis, papa, il va faire. Tu n'es pas dedans. Si on te dit tes sorciers, t'as dit les gens t'insultent. Tu crois la sorcellerie? Oui. You believe? He said yes. Sorcier qui? Sorcier 4. Sorcier fait des choses. Moi, le prophète Crasso, que tu me vois là. C'est pas parce qu'il a mis des dans ton village. C'est un village. Je prêche à Paris dans 4, même ça de 4000 places. Suisse pour. Mais je suis dans ton village. Parce que les sorciers sont en train de détruire ton village. C'est ce que je lui ai dit. J'ai le remède. Non, il ne faut pas m'attraper. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je savais que ça allait se déclencher. Comme je vous ai rendu le témoignage du monsieur de Issia. Et après ça, elle est venue parler. On a ce don-là. Amen. Faut pas dire, faut pas attraper. Moi, en fait, quelque chose, toi-même, tu as venu. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. C'est Crasso qui l'a attrapé, non? Tu vois, mec, elle est venue. Comme ça, le vieux, bizarre, possédé de Isha. On dit le prophète arrive à Isha, il fuit, il va à l'église. Quand tu finis l'église, il va rendre visite au pasteur. Il est 15h, tu es chez le pasteur. Les enfants disent non. Viens. Pasteur, tu cherches là. Il y en a chez toi à la maison. Il n'est pas le pasteur comme ça. Un vaincu. Vous mangez les gens, vous les gâtez. Il faut ce ministère-là pour vous stopper. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et bien, vous jouez, nous. On vous délivre, vous donnez l'argent ailleurs. Vous-même, là, vous devez nous donner les voitures. On doit avoir les 4x4, faire des patrouilles dans les villages. Maintenant, on n'a pas de voiture qu'on dit on va venir chez vous donner ça pour le transport. Eh, c'est cher. Il faut qu'il ajoute bonus un peu là-dessus. Amen. On est révolté contre la sorcellerie. Ce ministère-là, c'est concret. C'est pas non, demain, non. Quand on vient faire là, il y a un résultat. Amen. C'est pas les gens qui prient à Abidjan, puis ils vont pas dans le village. Nous, on t'a dit. Moi, je leur ai dit, viens chez vous au village. Mais voici comment ils m'ont logé. Elle m'a dit la visa, excuse-moi. Laissez-moi parler. Bizarre. Je lui ai dit, mais pardon, quand même, mes draps. C'est là qu'il allait chercher le voisin. Oui. Bon, ventilateur, ça s'allumait, mais ça arrêtait sur le stop. Eh Dieu, affaire de compassion des hommes, c'est grave. Hein? Un ventilateur qui s'arrête. Oh, moi, mon salon est climatisé, ma chambre est climatisée, mais j'ai accepté la condition. Je n'ai pas murmuré, je n'ai pas dit, ah non, je suis barré. Non, j'ai accepté de dormir là, avec eux.
Le matin, 4h du matin, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et j'aurais dit, il aura un résultat. Vous avez là? La vidéo est là, on a la vidéo. J'aurais dit, il aura un résultat. La vidéo est là. Mais après des choses, c'est pas seulement. Ah. Oui, il faut parler, il dit après des choses. Témoignage. Et oui, témoignage. Il faut dire que la semaine passée, bon, d'abord, mais quand vous êtes arrivé, c'est là. Elle n'était pas là-bas, elle était à l'Arota. Voilà, c'est après votre passage. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'elle était sorcière. C'est après votre passage, elle a marché ici, elle est venue dire, ah, vraiment, c'est chaud dans les camps, mais si elle ne vient pas parler là, bon, elle va mourir. Ça serait pas bon pour elle. On acclame le Seigneur. Vous jouez un ministère comme ça. Donc elle a commencé à parler, elle a commencé à parler. Ah bon, nous on n'est on est pas mieux placé pour écouter des aveux. Viens la brigade. Voilà. Tu l'as envoyé à la brigade. Voilà. Bon. C'est ça. Et encore. Une brigade anti. On acclame le Seigneur. Anti-sorcier. Une brigade. Ne cherchez pas ailleurs. Je vous appelle venir. Et je vous dis entièrement. Il faut dire que alors il y a l'âge, le budget est calme. Il y a un petit baoulé, un sorcier la semaine passée qui a commencé à faire des aveux. Il dit, ah, depuis le passage du prophète Joël Crasso, on a réussi à s'envoler dans le village. Et ce, ouais. On a pris le Seigneur. Le village est tout le feu. Et puis c'est que nous, on a remarqué aussi la manière dont les chiens aboyaient en volant. Là, dans la nuit, bon, cela ne se passe plus comme ça. Je dis, ah, vraiment, ton prophète t'a amené ici là. C'est vraiment un élu de Dieu. Et encore, il y a un grand sorcier du village. Bon, parce qu'en bas, c'est ce qui a fait qu'on a su quel était son rôle dans la société. Il y avait un pasteur qui avait le don de vision. Et ce pasteur, à cause de ce don, ils l'ont chassé de ce village. Lui, en ce général, il n'a pas servi que le pilote. Entièrement, deux semaines après votre passage, il est tombé gravement. Même il est couché dans le coma, l'hôpital entièrement. On acclame le Seigneur. Donc, cela pour dire que vraiment, on a été délivré. On a été délivré. La manière dont le village parlait, est-ce que le prophète dit, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Aujourd'hui là, ils ont la bouche vide, ils ne parlent plus. Ah! Donc les paroles simples, il a fait sortir ici là. Ah, petit déjeuner de temps. Voilà, les petites paroles, il a fait sortir là. C'est ça qui provoque tout ça. Ah, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Je crois à son ministère. Amen. Donc vraiment, c'est un travail propre. Un travail très propre. On aura dit ça. Le marabout jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Il est devenu fou, il a abandonné sa famille. Et le marabout, le grand marabout du village a fui. Oui, mais non. Oui, on aura pour les témoignages du village. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Parce qu'on a fait une action. Je vois avec lui à 2h du matin. J'ai attaqué le village. Je leur ai dit, voici leur aéroport. J'ai parlé, détruit leur aéroport. On a attaqué le village. En quelques temps, on en a besoin de missiles sol-air. On a besoin de l'air sol-air. Sol-air, sol-air.
La brigade anti n'est pas là pour vos histoires de non. Nous sommes les hommes de terrain. Il y aurait déjà dit ça. Il dit, c'est que vous banalisez là. Vous aurez le résultat de ça. Nous sommes à l'écoute. Ça n'est pas fait un mois. Comment s'est passé toi? Elle n'était pas au village. Elle n'était pas. Oulala. Elle n'était pas. Toi, tu n'étais pas là-bas, non? Quand il y a des maréchals. Oui, papa. Vous savez, notre unité, là, c'est une brigade où il n'y a pas caporal. C'est les officiers. Si tu es sous-officier, dégage. Tu n'es pas partie de notre unité. Va ailleurs. On ne s'amuse pas, les petits caporals. C'est des voleurs. Les petits caporals, ils peuvent s'abattre les orchis. Nous sommes tous des officiers. Les généraux. Les colonels. Et je vous dis la vérité, c'est un colonel. C'est pas un de vos petits généraux. Lui peut rentrer dans le village, lui se peut maîtriser. Amen. Amen. Le système de la sorcellerie. Amen. Voilà. C'est lui qui jouait ça. Elle n'était pas là quand on partait au village. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as quel âge? Il y a 16 ans. How old are you? 16 years old. Hein? On t'écoute. J'étais à Zouzou. Comment c'est passé? Parce que nous, on a prié pour que Dieu dévoile, démasque les sorciers. Les gens ne voulaient pas qu'on dise non, c'est lui-là. J'ai dit non. Ce qu'il a fait là, c'est encore plus puissant que tout ça. Oui, avancez. Quand est-ce que vous êtes venu? Trois jours après. On était à l'eau, au camp de sorcellerie. Tu es trois jours, tu es parti dans le camp de sorcellerie. Je te demande. Oui, papa. On était allé au camp de sorcellerie. On n'était pas à l'aise. On n'était pas à l'aise. On sentait quelque chose en nous. C'est à dire. On n'est pas à l'aise, comment? Il y a viande, il y a votre sang, manger, toutes sortes. Tu n'es pas à l'aise, comment là-bas? On avait peur parce que le feu était rempli partout. Amen! Parler mal du prophète seulement, toujours en train de m'insulter parce que vous êtes agent du diable, ce qu'on appelle les antichrists. Ceux qui attaquent les pasteurs sont les antichrists. Ils sont anti ce que nous faisons. Nous, on est anti-sorcellerie et ils sont pour la sorcellerie. Donc, on démasque et on délivre les gens. Ça ne vous plaît pas, mais nous allons continuer. Amen. Donc il y a le feu. Oui, papa. Nous, on n'est pas dans le feu d'Abidjan. Hein. On va au village. We go to the village. Et le pasteur là-bas? Il n'y a pas pasteur là-bas. Non, il y a pasteur là-bas. Moi, il y a des amis aussi qui sont bien là-bas. Hein. Il y a pasteur. Chacun a son territoire. Donc on allait, on a parlé au village. Le feu est venu là-bas. Il faut expliquer un peu de feu. Nous avons trouvé où manger. Talk about the fire. On était là. Le feu a pris dans un coin. Un coin. Au milieu de nous. Ah, en pleine réunion. On doit manger la cuisse là. Il faut qu'on patte la cuisse. Et le feu. Le feu a pris. Un coup. And the fire burned. Et nous tous on est tombés. Fell all down. Il a mis sucre dans orange. They are showing you. Non, le feu est tombé là-bas. Oui, papa. Et vous êtes tous tombés. Oui, papa. Toi, t'étais où? J'étais là-bas. J'étais où bien?
T'as fait comment pour sortir? Pas de demande, je te marre. Ah, c'est pour toi, on va écouter. Toi, t'as fait comment pour t'échapper? Pas de demande. Quand est-ce que le feu a commencé à me brûler? Mm-hmm. J'ai tourné jusqu'à... Ça te brûlait? Oui, papa. Comment ça vient? Ça me brûlait fort, puis je faisais comme ça. Oh, je faisais, puis je criais. Je touchais mon corps, ma tête, ma vie. Mm-hmm. Et les autres? Les autres, là, eux aussi, même chose. Ils ont commencé à toucher leur corps. Oui, crier. Iroporia, viens. Vous savez que c'est intéressant d'inviter le prophète dans votre village. Tu as écouté ce qu'elle a dit? Elle a dit, on a fait nos prières. Ils sont partis dans leur confrérie, la sorcellerie. Maintenant, il y a le feu. Comme tu n'as pas expliqué ça là-haut. Ah, tu as dit non. Si tu veux dire là, il faut te taire. Allons à la brigade. Nous, on n'est pas bien placé pour écouter tout ça. Allons à la brigade. Anti-sorcier. Dans le feu, vous avez brûlé. Tout le monde. Non, il y avait quoi? Vous étiez allé faire quoi là-bas? Puis il y a eu feu. Pourquoi y est-on? On était allé manger. Manger. Il y a eu le feu. C'est venu seul. Oui, papa. Je peux acclamer le Seigneur. Amen. C'est ça qu'il faut qu'un homme de Dieu passe dans vos villages et pose une action prophétique. Quand il faisait ça, il banalisait. J'aurais dit de loin un résultat. Amen. Il quittait le village à 5 heures. C'est encore plus dangereux ce qu'il chantait de faire. Voici le résultat. Et t'as derrière moi. Donc le feu t'a brûlé. Maintenant quand tu es venu dans notre monde, tu allais t'asseoir. Quand tu es venu dans notre monde là, tu as fait quoi? Pourquoi tu t'es retrouvé, t'as allé parler? Il y a eu quoi? Pourquoi le feu a commencé à me brûler jusqu'à un jour? Il y a pris ma route, il était venu chez ma tante Chantal. Maintenant, un jour était là et mon oncle est venu. Dans mon rêve, mon oncle est venu et il a commencé à parler que je m'en vais me soigner. Mais le jour que je vais venir, tous ceux qui m'ont tué, tous ceux qui m'ont mangé, là, je ne vais pas les laisser, je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer. Lui, il a commencé à parler. Donc, il dit moi d'aller témoigner, que si moi, je suis pas venu, d'aller me confesser. Que ce qui soit venu me confesser, là, c'est si moi, il va commencer la première. Mais d'abord, même quand j'étais là. Bon. Cette option-là, je ne sais pas pourquoi quoi est ça. C'est le feu qui t'a brûlé, n'est-ce pas? Oui, papa. Ton frère, ton nom, il est mort. Oui, papa. Bon, son nom, engagé, les morts n'ont pas de pouvoir. Donc, cette option-là, il faut annuler sa karma dedans. Oui, nous sommes convaincus que c'est le feu du Saint-Esprit qui a fait que j'ai parlé. C'est pas un mort. Oui, papa. Ah, sinon, il est mort il y a longtemps. Pourquoi c'est maintenant où on a mis le feu là, il va commencer à dire de venir. Ah, le diable peut s'accaparer. C'est ce qu'on est en train de faire, le diable pense. C'est un usurpateur. Vous connaissez pas le diable, hein? Nous, on connaît très bien le diable. Pourquoi il va même s'en mettre dans ce qu'on est en train de faire? Il n'a qu'à quitter les dames. Mais oui, le diable, c'est un usurpateur. Donc, tu es venu, tu as parlé. Et tu as dit quoi? Quand je suis venu, il a commencé à expliquer ça. Tu es sorcier. Oui, papa. Personne ne savait ça. Oui, papa. Tu as mangé des gens. Oui, papa. Tu tues. Oui, papa. Tu as tué combien? J'ai tué deux personnes. Seulement? Oui, papa. Et puis j'ai gâté trois personnes. Qui? J'ai gâté ma maman, plus mes deux camarades. Tu as gâté quoi, ta maman? J'ai attaché son ventre pour ne plus qu'elle enfante. Tu peux pas faire enfant? Oui, papa. Et puis tu as fait quoi encore? Et je devais la tuer aussi. I was about to kill her. Prisca, tu vas manger Prisca? Oui, papa. Et tu as gâté quel camarade? J'ai gâté une de mes camarades. On faisait la même classe. Mm-hmm. Et un jour, on était allé acheter pain. Maintenant,
Il dit, ah, comme c'est moi ici la grande, je vais attraper l'agent qui attendait moi devant là-bas, il va acheter le pain. Quand est-ce que je suis donné le pain? J'ai commencé, j'avais mis quelque chose dedans. J'ai vu l'agent, il mène dedans. Et quand je suis venu, aux amants qui aiment demander pain, donne-moi aussi, donne-moi, t'es méchant, hein? Donne-moi. Tu vas me donner, t'es méchant. Moi, te donner vrai manger. Ça te rassasie. Là, tu vas plus demander. En Europe, tu as donné manger à un enfant, il va te poser la question. L'enfant, il refuse. Bon, ça se comprend, l'enfant, il n'a pas faim. Dans sa chambre, il y a frigo. On dit aux enfants, quand ils se réveillent, c'est dans la marmite, ils vont dans la cuisine. On voit s'il y a recouché. Le papa a déjà mangé. Il pleure. Le papa, même à 5h30, il a géré le repas. Un enfant qui va en brousse à l'école avec banane braisée et rouge. On dit, tiens, banane braisée, tu peux mettre une rouge là-dessus. C'est ton petit déjeuner. Va. Un petit sac vaincu. Quing, va à l'école. Quel papi qu'on a dans sa tête? Que Dieu aide l'Afrique, hein? Que Dieu nous aide. Le papa, quand il se lève matin, il ne pense pas à l'enfant. Hein? Lui, comment il va manger son riz couché d'abord? Et là, ça veut dire, mais les enfants, là, il n'y a pas l'âge. Que Dieu nous aide. Donc, tu as mis dedans, tu as donné son série, tu as gâté une de tes camarades, c'est ça? Oui, papa. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri pour nos enfants devant l'école. Enseignez-leur la prière, prier pour eux. C'est comme ça. Nos enfants ne sont plus à l'abri. C'est pour ça que ce matin, j'ai fait le but avec les enfants ce matin. Je suis allé prier un peu pour eux. Demain encore, lundi, dimanche prochain, j'ai promis passer. Et c'est important qu'on prie pour les enfants. Dimanche prochain, je vais prier sur les bonbons que je vais leur donner. On fait ça partout où on passe. Ce qu'on appelle ça bonbon béni. Quand il mange, tu as sorcellerie. C'est pas dit, vous ne regardez pas nos vidéos. Un petit son bon d'enflée, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est bonbon. Bonbon, oui, désolé, désolé. Ça a mangé, il a mangé. Combien il a 9 personnes. Dangereux. C'est bonbon là. C'est bonbon. Matin, tous les enfants les envoient, ils sont malades. Quoi chaud, temps d'enflé. Et en même temps, ça nettoie le cerveau. Le dimanche prochain, j'ai fait ça. Il faut que nos enfants soient bénis. C'est l'église de demain, ces enfants. Ce sont les fonctionnaires d'État demain. Ce sont eux qui ont conduit la Côte d'Ivoire. Ça se prépare. Et tu as détruit ta camarade, c'est ça? Oui, papa. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il a remis le pain. Quand est-ce qu'elle a mangé? Deux jours après, elle est tombée malade. Mm-hmm. Quand est-ce qu'elle est tombée malade? Un jour, elle était venue à l'école, elle devait faire un théorie, le maths. Mm-hmm. Et puis elle est venue à l'école. Elle m'a dit, ah Sabine, je ne me sens pas bien. Depuis que tu m'as donné le pain, ça fait qu'il y a un problème de cœur, je ne me sens pas bien. Ah, elle t'a dit? Oui, papa. Elle dit, ah, c'est faux, que ce n'est pas le pain qui a fait ça, que tu sais ce qui t'a fait ça, que où tu es, dès que tu es enceinte, que ce n'est pas le pain qui t'a fait ça. Et elle a pris sa route, elle est partie à la maison. Trois jours après, elle est morte. Et nous, on a habitué à ça, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, n'attaquez pas pour rien comme ça. N'attaquez pas. Si vous avez choc, vous sortez tranquillement. Ici, c'est la brigade anti. Anti. La brigade anti. Ça sort tout de la bouche. Anti. Bon, sorcier fait quoi? Ah, non, mais pourquoi ça vous choque? C'est qu'elle fait, on appelle ça aveu. Elle a caressé. Mais elle là, c'était pour la toujours avec elle. Il n'avait pas vu son chien venir nourrir quelqu'un. Elle dit, je l'ai tué pour cuire. Oui. C'est Seigneur. Sorcier tu. Elle est morte, c'est ça? Oui, papa. J'ai mangé.
Oui, papa. Tu l'as mangé? Oui, papa. Ben oui. On jette pas, viens. Viens t'as tué. Mets dans ma marmite. Ou bien manger. Tu vas vite les gars, tu viens. Tu jettes. Quand tu viens là, je vais manger. Ça vous a... Vous êtes attristé, c'est ça? C'est pour ça que nous combattons la société. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec elle? Elle est parente à toi? Non, papa. Vous comprenez? Donc, ça peut, maintenant, c'est pas une question de lien de parenté. Hein? On peut tuer ton enfant comme ça, vite, vite. Que Dieu nous aide. Amen. Ce sera qu'ayez les bouteilles de l'huile d'onction chez vous. Vous avez vu la dame, non? Elle a bu ça. Elle a vomi. Délivré. Les bouteilles sont consacrées. Combien c'est? Ah, c'est cher. Ok. Cinq heures combien? Moins cher, c'est 200 000. Là, vous pouvez baiser. Hein? Quand ça fait des dieux, là. Après les dieux, moi, j'ai allé ma Bible, là, j'ai payé ça à la librairie. Avec 5 000 francs. La Bible, là. J'ai payé. Pendant Jésus a dit, verset temps, Matthieu, Jean, j'ai payé ça. Pourquoi vous voulez tout avoir gratuitement? J'ai dit, c'est pas gratuit. C'est pour ça que Jésus-Christ, pour sauver l'homme, il s'est donné la payer le prix, il s'est donné à sa vie. Rien n'est gratuit. Consacre les bouteilles, vous voulez avoir ça cadeau. Moi, j'ai dit aux gens, c'est pas caché. Je vends les bouteilles d'onction, je vends ça. Ça marche. Ah, c'est comme ça. Amen. Amen. Ça marche. Et tu n'en vas pas, hein? Voilà. Amen. On va ça. Mais il y a un résultat. Quand vous avez ça chez vous, c'est parce que c'est pour moi, mais j'utilise. L'onction d'huile ne manque pas un juif. Les juifs, vous voyez là, quand ils sortent matin là, parce qu'il ne sait pas qui il salue. Les juifs, vous voyez là, c'est les meilleurs, les puissants. Ils sont puissants en matière économique, les juifs. Ils nettoient ça dans la main. Parce que celui qui te salue là, il ne sait pas qui il est. Quand il rentre le soir, il met ça dans sa main. Les juifs, vous voyez là, ils travaillent beaucoup à l'onction d'huile. Il n'y a pas plus puissant économiquement que les juifs. Demandez aux juifs. L'onction d'huile, là, ça ne doit pas vous manquer. Ça ne doit même pas vous manquer. Tu fais ta nourriture, tu mets un peu dans un riz. On ne sait pas où monsieur est passé. Peut-être que la petite qui est dehors l'a possédé. Vous dépossédez monsieur. Il dort, il dit trop dehors. Le paquet vient. Il de lui-même s'est conseillé. Il n'y a pas de cholestérol dedans. Fais un bon chef-chef. De toute façon, monsieur, il va commencer à te voir bien, bien. Ah, la femme qui est là, elle fait maraboutage. Pour posséder, monsieur. Donc quand vous venez ici là, prenez l'huile là, dépossédez le cerveau de ce monsieur possédé. C'est comme ça. Vos enfants dans la semaine, une fois dans la semaine, mettez dans le riz, donnez aux enfants à manger. Vous ne savez pas avec qui ils sont en contact. Des connexions sataniques. Mettez ça dans la nourriture, donnez aux enfants à manger. Quand vous dites ça, vous pensez que non, c'est cher. C'est cher par rapport à l'enfant qui va te manger. Tu choisis quoi? Vous banalisez ça. C'est tout près de vous. Vous réfléchissez comment? Donc à chacun ça. Chacun ça. On a compris? C'est tellement simple. Il y a des actions qui sont puissantes. L'onction, c'est trop puissant. Mettez ça. C'est ce qu'il a fait à Uropori. Allez dans ma voiture, là, vous allez voir dans les petits côtés, là, il y a une bouteille d'huile. Là.
quand je sors, puis je vois un danger sur la route, je me lève avec ça, puis je me positionne. Je détruis ça, puis je m'en vais. Amen. Je suis apaisé, prière spirituelle, vous voyez. Vous voyez, je vous appelle, quand je au chemin, quand je vois les yeux du prophète, regardez là. Après un jour, l'une manque dans ma voiture. Il y a au moins plus de 14 bouteilles dedans. Je veux que vous jouez ça. Allez voir dans ma voiture. Vous jouez le remède. Vous avez le remède d'antisorcier. Vous tournez, 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 c'est cher. Ok. C'est que. Pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi. Ibosep. La conservation du corps. Funérailles. Quand tu fais bêcher, tu as fait 2 millions. C'est quoi ce qu'il dit? C'est mon parent bêcher, 5 millions. 5 millions. Oh, il y a le remède. Moustique là, c'est Timor. Chut, bégon, ça le tue. En toute chose, il y a toujours un remède. Non, la prière. Non, ici, il y a les actions. Ce qu'on appelle action prophétique. Radical actions. Vous m'avez bien saisi. Prenez l'huile là. Monsieur qui ne te voit pas bien, bien là. Fais tchèpken. Va manger. Ce jour-là, tu dis, monsieur, tu le blagues un peu, il mange. Tu seras délivré. Amen. Là, c'est la petite fille qui fait plat dehors. Tu sais pas ce qu'elle met dedans. Si elle a rencontré Fousséni, le marabout, tu es mal barré. Fousséni, il se brosse pas, il va mettre. Ça, là, il va me donner. Crachat, puis tu es envoûté. Aidez vos maris. Les maris aussi, aidez vos femmes. Elles n'ont pas monté dans la cuisine pour dire, madame, viens manger les frites. Tu fais les frites, hein, lui donc chien. Les femmes aiment bien les frites. Les frites et poulet, donne à ta femme. Et puis, elle est délivrée. Sa bouche est désarmée. C'est fini de manger. La bouche est désarmée. Tu es délivré. C'est pour dire, on n'est plus à l'abri. Ça fait peur. Après les sorcelleries, c'est plus une question de parents. C'est ce qu'on avait en vent comme information. Maintenant, ça a progressé. Parce que la technologie est évolutive. C'est comme ça, c'est la science satanique évolutive. Amen. Ça nous choque, vous êtes choqués. Mais c'est comme ça que ça se passe. Sous silence, et on ne dit rien. Or, eux, ils tuent chaque jour. Amen. Amen. Vous même lui là, quand vous levez matin, vous devez donner à vos enfants. Voilà l'école. Avant de dormir, il doit boire. Vous ne savez pas qu'ils ont rencontré à l'école le pain. Peut-être qu'il a donné un pain sucré. Il y a quelque chose qui a mis dedans. Eh ben, là, c'est graisse de l'homme. Ça va manger. Ça va manger, il se retrouve en l'air. Il plane. Que Dieu nous aide. Amen. Ça fait mal. Satan ne joue pas, il travaille. Il travaille, il s'en fout. Il y a une petite belle fille comme ça. Tu n'es pas parti, le feu l'a pas brûlé. Elle est partie ici. Je la regarde, ma petite fille, t'es belle. Elle te dit oui. Tu l'es quoi? Ton numéro, c'est quoi? C'est Mou. Tiens, Mou. Mou. Non limite. Vous m'appelez. Tu n'es pas qui tu es. La petite là va te manger. Bois ton cerveau comme des guêpes. Matin, tu as migraine, tu dis non. Le médecin dit non, c'est cancer. Et c'est où? On n'a pas été m'embrasser la petite. Le docteur qui te sert. Les gens sont possédés, c'est les enfants et les gars. Ça va? Tu as tué la petite, ta camarade? Et la dernière, c'était ma petite soeur. Elle me transporte dans le bout et puis la nuit, elle m'a piqué ses yeux. Ah oui? Le matin, elle arrive, elle était gratte. Elle est au elle m'a mal. Bien! Où est la petite? Où est-ce? Que tu nous aides, hein? Le gars, elle passe.
Vous voyez comme ici c'est une école, amen. Ici c'est un centre de formation. Hein? Here's a training school. Jésus revient. Bon, ok, il revient, ok. Jesus is coming. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? What's happening around us? Ici c'est une formation, amen. Here is a training. C'est une école. A training school. Et donc tu es sorcier. Vive papa. Je dois tuer ton frère là, ton oncle. Vive papa. Comment tu as fait? Brother, your uncle. How did you manage? Un jour, il est allé dans sa chambre, il s'est transformé en hibou, il est allé dans sa chambre. Il est allé prendre son âme. Il a appelé Apollinaire, Apollinaire, plus de trois fois. Et son âme est quittée dans vos vies. Son âme est sortie de son corps. Je vous ai dit le phénomène de. Je vous ai parlé de l'être humain. L'être est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Ce petit là, tu manges ses yeux. Elle est maudite? Où elle est? Elle mange quoi? Ça va? Tu la reconnais, Brésil? Tu reconnais? C'est là. C'est lui qui était fort, la paix était guérie. C'est plus qu'à. Tu vois comme elle a grossi? Elle a très grossi. Quand on parle de ça, maintenant, elle a honte. Je sais ce que tu parles. Elle était folle dans l'échec. She was mad. Violente. Oh. Même moi-même, elle m'a lapidé. Sulté. Les mêmes sont un ennemi même que le pasteur Philippe. Il m'a mélopé. Après, elle a été miraculeusement guérie à Zaroko. C'est sa vie. Non, c'est qu'elle a enseigné quelque chose. Non. On ne peut pas arriver là-bas. On lui laisse dire. C'est qu'elle a des seuls tribus qu'il tuait, c'est la mort. C'est son papa. Quand il dit à son père de venir, il ne vient pas. Que crasseux, c'est un faux. Il a pris mon huile, il a donné à son frère. Va verser à la maison là-bas. Papa est paralysé. Chier les morts. Où je vais aller là-haut? Demandez à mon chauffeur, il va vous montrer quoi? Plein d'huile partout. Ah, je connais l'efficacité de ça. Son papa l'a rendu folle. Viens, ta fille est malade, il ne vient pas. Mais c'est quoi ça? Il ne vient pas. Venez, il m'insulte. Il dit aux gens, il ne faut pas qu'il vienne chez lui. Il a appelé son fils. Prends l'huile et puis fais le tout. Il a fait ça. Papa est paralysé. Il a chié. Diarrhée. Sans des dents. Il est mort. Donc c'est les yeux de la fille là tu manges. Comment tu fais? Comment tu fais pour piquer? Je me transforme en hibou. Et puis tu fais quoi? Il m'a passé épique. Elle est au pot. La maman m'a dit au pot. Elle a dit, hey. Ça va? Elle me fait mal. Tu mangeais. Eric Boucher. Ah, mais comment? Est-ce qu'il m'a donné? Bon, c'est un piqué. Les yeux. On pique les yeux. C'est qui? Celle-là. Bon, je dis, tu as vu. Tu n'as pas du dos. Tu dois un pique. Bâtez, tu grattes. Tu la grattes? Comment tu fais? Je me transforme en hibou. En hibou. Et je pique dedans ta main quand tu veux picoter, rire. Je dis, oh. Tu cherches quoi dedans? Tu cherches, voilà, tu cherches quoi dans les yeux des petits? What are you checking? Ça peut la rendre du mal. Hein? T'as un peu de mal. Oui, papa. C'est là, elle va devenir quoi demain? What will she become in the future? Elle fera quoi demain? Comme travail. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Non, tu sais.
Parce que si elle attaque ses yeux, c'est qu'elle a vu les toits de la petite. Amen. Sois-tu vraiment t'attendre des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'elle sera demain? Elle va être préfet. Si chercher t'attaque, c'est que tu es mort. Il a venu attaquer comme ça. Elle a vu l'étoile la petite. Il faut détruire ça en même temps. Ah, vous savez que c'est l'année de votre délivrance. Amen. Amen. Je suis trop content pour vous. Really happy for you. Prophète, viens. Oh, papa, dans un mois, quand Mauritanie, la vie est venue, pouf, les parties. Maintenant, on allait poser l'action prophétique. Ça a commencé. Et quand ça commence, c'est ce qu'il dit aux gens, Dieu ne commence pas quelque chose pour pas terminer. C'est qui a dit, fais là. Ça va déboucher sur beaucoup de choses. Pas la réalité comme ça. Ok. Hein? On va la délivrer. L'ombre. L'ombre. Hein? Tu veux qu'elle soit délivrée? De mon père, tu veux délivrer? Délivrer. Tu veux qu'elle soit délivrée? Hein? Tu n'entends pas Dieu. Tu veux quoi? Délivrer? What do you want? Elle a galère à Mauritanie. Non, parce que j'ai compris son nom là. Son nom là, j'ai compris le fond de ça. Donc tu veux qu'elle parte à Mauritanie? L'avion n'a qu'à venir. Partir avec elle. C'est l'argent que tu dirais. Comme quoi? Non, on va pas faire ça. Hein? Non. On va l'aider. Amen. Allez. Tu vas arrêter de piquer les yeux de la petite. Tu la regardes. Pique. Petit yeux là, tu manges ça. D'un croquette. Ça va? La maman a signé la lettre de Mauritanie. Hein? Et prophète. Vous la fait voyager. Allez à Mauritanie. Non, on ne te donne pas ce visa là. Amen. C'est-à-dire, sa maman était doublement choquée. Elle a tué son frère. Son nom est le frère à sa maman. Une mort atroce. Un arbre est tombé sur lui. Et elle vient d'apprendre que la petite fille qu'elle est maudite là. C'est elle qui mange chicken. She also scorches. The baby's eyes at night. C'est sauvage. Comment tu as tué ton oncle? How did he kill your uncle? Et me suis transformé en hibou. Vous voyez tous les mangeurs d'âme. Vous êtes sorcier. Vous êtes pas chaud, vous êtes sorcier. Non, vous êtes sorcier. Toi, viens ici, toi, car. Tu es sorcier. Hein? Qui t'a donné la sorcellerie? Qui t'a donné la sorcellerie? Comment t'as donné? Quand tu es dans la vente d'maman, elle a donné la sorcellerie. Tu as fait quoi ça? Tu as tué.
Combien? Six personnes. Hein? Attends. Tu n'as pas envie de parler? Six personnes. Il est venu avec qui? Et tu voulais faire quoi? Tu as attaqué ton oncle. Tu as attaché son cou. Tu veux le manger? Tu as mangé ton oncle. Ah, c'est son nom qui paye son école. Qui paye tes études? Hein? Bon, si tu as mangé l'oncle, qui va payer tes études? Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Ma grand-mère, tu m'envoies. Elle dit quoi? Elle veut le tuer. Elle veut le tuer. Et puis tu as fait quoi? Je suis venu serrer son cou. Hein? Je suis venu serrer son cou. Comment tu as serré son cou? Pourquoi? Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Non. On va te laisser alors. Je suis venu chercher son cou et serrer son cou. Lui dormait. Et puis après, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Hein? Tu as honte, hein? Tu as honte. Mais tu reconnais que tu es sorcier. C'est vrai. Tu es sorcier. Tu gâtes vraiment les gens. Tu as honte. On va t'asseoir après, hein? Où suis-je? Tu as honte. Il fait un travail qui fait honte. Et laissez-le, sinon si vous mettez vous deux ensemble, laissez la faire. Hein. Sinon si le petit chien l'envoie sur vous, il va vous manger. Ah. Tu allais serrer le cou d'un vieux. Lui là, c'est un vrai sorcier. Petit, tu manges. Hein? Attendez-vous. Lève-toi. T'es un sorcier? Hein? Parle faux. Qui l'a envoyé? C'est moi. Ah, il est venu en voiture la frapper. Non, non, non. Pourquoi vous voulez que les gens meurent un coup? Elle était fatiguée, mais donc trouvez moyen pour qu'ils soient délivrés. Vous voulez que les gens meurent? C'est même mourir là que les sorciers font? Non, là, ça. Les sorciers. Est-ce qu'il mange bien? Hein? Est-ce que tu lui donnes à manger? Non, 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 tu ne le nourris pas bien parce que ses yeux sont blancs. Il a anémie. Tu veux manger? Non, 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 non. Moi, je vois un être humain. Bon, laissons faire les sorcelleries là. Il est d'abord un être humain. Hmm? Ça va? Tu as mangé ma terre? Donne-moi 1000 francs, donne-lui. Non, au restaurant même. Non, 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 non. Ah. Non, mais vis-à-vis, vite. La première réaction d'un chrétien, c'est manifester d'abord l'amour. L'option mort vient après. Petit, restaurant là, c'est pour moi. Mais pas de dire, va aller manger cadeau. Apprends. Va commander un plat à manger. Maintenant, si tu as fini, hein, tu es délivré. Tu connais pas ça? Va dans le. Va, allez, 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 va manger. Non, 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 laissez après, il est dangereux. Laissez cette option, il est dangereux. Le petit, si vous lui demandez, il va vous dire que quelqu'un l'a initié. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas lui, c'est pas venu, c'est pas lui qui a fabriqué ça. Ils lui ont rendu sorcier. Mais aidez-le. On a quelqu'un de Dieu ou un peu de Satan? Tu es sorcier? Hein? Entendez-vous? Tu manges l'homme? Non, je sais, papa. Du papa. Tu as tué? Combien? Cinq.
Zadi. Tu es sorcier. Tu as tué. Combien? 23 personnes. Comment tu fais pour tuer? Je transforme en chien. Je vous ai pas dit ça? Si, maman. Je transforme en chien. Et tu fais quoi ça? Hein? Quand il est mort, il prend les âmes. Non, tu les mords en rêve. Le chien te poursuit. Mmh? T'es mort. Tu prends âme. Oh, bah, c'est les vieux. Quand tu vois la mémé moche, tu vas, hey, mémé. Oh, l'enfant est le plus dangereux que la mamie. Très dangereux. C'est ce qu'il disait là. Si vous voulez que vos âmes soient préservées, marchez avec Dieu. Elle est fâchée. Ça va aller. De toute façon, vous les regardez, c'est pas comme moi, ils le voient. Hein. Moi, je les ai avec beaucoup d'amour. C'est pas question de remplir, mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas eux. Voilà, j'ai compris ça. Lui, il fait sorcellerie, non? Ton mari qui cherche femme, là, qui te trompe, là, c'est une forme de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a mis là? C'est pas un démon? C'est même démon. Bon, toi, tu trompes ton mari. C'est pas même démon là. Il finit de faire, puis il dit, chérie, oh, tu as trompé ton mari. Toussaini, Boukari. Tu es une sorcière. Ça fait mal, hein. Chérie, oh, tu l'as trompé. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est un démon. C'est pour ça qu'on voit ça. Lui, c'est sorcellerie. Toi, c'est adultère. C'est un esprit. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Qu'est-ce qu'il a poussé à faire? Parce qu'il a un esprit en lui. Si on ne le débarrasse pas du démon, il demeure sorcier. Donc, le chrétien que je suis, croyant à la puissance de Dieu, j'ai le pouvoir de la neveu de là où il se trouve actuellement. Parce que j'ai Dieu avec moi. C'est tout. Donc, l'option, il n'a qu'à aller à Mauritanie pardonner. On donne plus le visa, mais c'est fini, mais l'ambassade est fermée. Elles sont pas acclamées, le Seigneur. L'ambassade. Le visa est suspendu. Voilà, c'est un congé. Ça bientôt, on va reprendre. On va reprendre. C'est pas ouvert, mais couleur, on a fermé. Le consulat est fermé un peu. On va mettre ça en marche à partir de septembre. Ça va dire c'est maintenant qu'on ouvre le consulat pour donner le visa de la mort. Mais à partir de septembre, elle commence à envoyer la mort. Donc, non, on retourne à compte. Septembre, octobre, novembre, décembre. Là, non, nous, le consulat s'ouvre. Et puis, vous venez prendre le visa. Et donnez ça aux gens qui veulent vous tuer. Donner les visas. Pour le moment, le consulat est fermé. Il va ouvrir en septembre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comment tu as tué ton oncle? Je veux savoir comment. Je me suis rendu en Ubu. Une nuit, il dormait. Et je suis parti là-bas. Et j'appelais son âme trois fois. Apollinaire. Et j'ai pris son âme, il s'est parti et son âme au camp de sorcellerie. Et je l'ai transformé en mouton. Et je l'ai laissé une semaine après. C'est parti le tuer. Mais il est mort comment? Tu as fait que tu t'es oublié, c'est quoi qui est tombé sur lui? Oui. Il avait déjà attaché son âme. Donc, quand il était parti scier quoi là, il n'avait plus de force. Et puis, il a coupé l'âme. L'âme est déjà tombée. Et en sorcellerie là-bas, ils ont serré son cou. On a serré son cou. Maintenant, vis-à-vis, un âme sec
Toi, qui a cassé l'arbre là pour tomber sur lui? C'est mon nom. Et toi, tu jouais quel rôle là? Tu étais, tu faisais quoi là? S'il est lui. Moi, j'ai dit qu'on a qu'à le tuer. Non, tu mens. C'est toi qui as actionné la chose. C'est toi qui dois le tuer. Non, c'est toi qui actionne l'arbre. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit. Non. On connaît ça. Non, c'est toi qui le tuer. Tu veux délivrer, non? C'est pour ça que tu voulais parler. C'est pas moi, c'est la puissance de Dieu. Il t'a poussé à faire des affaires. Donc il faut aller jusqu'au bout. Si vous avez une servante, envoyez-la ici. Je vais la scanner d'abord. Il y a un scanner partout. Quand tu veux prendre ton vol, tu passes au scanner à l'aéroport. Si la servante n'est pas passée au scanner, elle détruit, c'est les sorcières. Elle va vous détruire avant de quitter la maison. Elle a accès à vos champs. Bon, même si elle n'a pas accès aux champs, c'est qu'il prépare par exemple. Elle a accès aux enfants. Elle a accès au salon. Donc, vous êtes souvent absent. Elle a le temps de vous détruire. Sorcellerie, là, on peut parler de ça toute une journée, jusqu'à la nuit. J'ai dit aux gens, quand les gens se rassemblent chez eux dans l'église, eux, ils parlent de quoi? Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. On va lire la parole de Dieu rapidement et puis on va prier. Je suis très choqué par la mort de son oncle. Je l'ai connu. Mais il était déjà averti, c'est ça le problème de l'homme. On l'avait déjà averti sur le problème de la sorcellerie. Il a joué ça. Moi, quand il te dit, voici ce qui va t'arriver, il ne faut pas jouer ça. Je ne me lève pas comme ça pour parler. Quand il te dit, j'ai vu. Hein? Quand il te dit, j'ai vu ce que j'ai vu. Mamie, où elle est? Ce qui. Dans ce qui est à Gabi, là où elle est, la dame. Elle est sortie. Le pasteur Philippe est déjà parti là-bas. On va la libérer cette semaine. Elle va aller en famille. Il y a des personnes qui ont été délivrées. Nous sommes allés en famille chez eux, préparer leur retour pour les accepter. On va la libérer cette semaine. Somme 37, le verset 5. Verse 5. Amen. Amen. Le verset 5 seulement qui va nous intéresser. Verse 5. 5. 5. Le psaume 37. Psalm 30, le verset 5. Mamie, viens. Verse 5. On va te libérer. We're going to release you. Hein? T'es content. Tu habites à Gamé. On va te libérer. On va appeler quelqu'un. On va t'accompagner. On va pas te laisser seul. Même si tu connais, quelqu'un va venir. Je suis parti. On a réglé ton problème. On allait dire, on n'a qu'à t'accepter. On n'a qu'à t'aider comme enfant. C'est ce travail qu'on a fait, puis tu es resté longtemps ici. Ils ont accepté. Ça va embrayer. Si tu vas, où il y a la viande de l'homme là, on va passer là-bas. Toi et la viande de l'homme, c'est malade. C'est ton totem maintenant. Si tu as touché, ça reste dans ta gorge. J'ai une dame qui dit, ah non, j'ai passé, et puis on faisait truc, puis elle a checké. Puis mamie vient, j'ai venu m'en servir. Et j'ai mangé. J'ai dit, mais mamie, a checké là, on accompagne ça à quoi? Hein? C'est pas bien. Toi, tu as Abodjama en main. Et ils sont en train de faire pas au fou. Ils n'ont fait que te rendre un service en te disant, mamie, assure-toi. C'est que l'on comprend bien là. Voyez, c'est dans ta main.
Non, mais c'est comme ça que j'ai mangé. Il dit, mamie, c'est moi qui vais blaguer. Tu allais manger? Non, je veux qu'on prie pour moi. Dis-moi, Dieu est en train de te frapper. Il y a quand même mettre entre toi et lui. Pendant si son coup de poing là, ça m'a t'a touché. Quelqu'un m'a donné le coup de paix, comment tu es enflé? Le lendemain, elle est morte. The next day she died. On a mis on a la vidéo, les derniers jours d'une sorcière. Il est dans Borette. En moins de 40, 24 heures, sans vrai. On a vu mourir. On a mis. Viande, viande. Ouais. Parce que vous avez votre histoire de viande là. C'est ton totem maintenant. Faut pas t'envoler maintenant. Non. Avion là. Laisse. Faut pas mettre en location. Faut pas dire non, comme j'ai laissé, je vais lui faire louer. Qui apprend l'argent? Faut plus louer. Faut pas me louer. Non, jamais, hein. C'est très bien. Jamais, non. Non, laisse l'avion, laisse. Laisse le diable. Toi, viens à l'église. Continue. Demain, Dieu va te bénir. C'est la fin qui compte. C'est en train de bien finir, bien sûr. Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans tes derniers moments. L'âge que tu as maintenant, là, tu vas vers la mort. Hein. C'est comme ça l'âge que tu as là, c'est maintenant la mort qui n'est pas loin. Heureusement que tu as laissé la société. Hein? Tu as laissé, non? Yeah. Tu es fatigué. Tu as mangé aussi là. Tu es fatigué, mais tu as mangé beaucoup. Va t'asseoir. Donne-moi 5 000, viens. J'ai payé ton transport aussi. T'es contente? Il n'y a rien. Non, j'étais délivré comme ça. Il n'y avait rien. Pour manger maintenant. Mon agent là, faut pas envoyer ça là-bas. Non, papa. Je n'en vois pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on va acclamer le Seigneur. Amen. Manifester l'amour, c'est important.